redemption. Écoute-moi, c'est juste... Ah, Rookin, tu tombes à pic. Tu la connais? Super, alors dis-lui de ne pas partir seule dans le désert. Tu vas lui dire qu'il ferait bien de cracher ce qu'il sait avant que je lui pète les genoux. Wow. Doucement, Della. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma sœur Boomer. Elle s'est enfuie dans le désert. En fait, on s'est disputés. Je lui ai dit qu'on en reparlerait le lendemain quand on se serait calmés toutes les deux. Mais le lendemain matin, elle était partie. Et cette espèce de binoclard, là, est le seul à l'avoir vu filer. Mais il refuse de me dire par où elle est partie. Tu ne peux pas t'aventurer dans le désert comme ça. Tu vas te perdre. Et si la soif ne te tue pas, la terreur invisible le fera. Tu sais ce qui est arrivé aux ratisseurs qui se sont rendus là-bas? Non, tu sais pas. Personne ne le sait, parce qu'ils ne sont jamais revenus. Et ma sœur, alors? Elle est là-bas, et elle est toute seule. C'est peut-être un moindre mal. Ah ! Je t'en prie, Rookin. Aide-moi à la retrouver. C'est quoi la terreur invisible ? C'est le nom que Stemur donne à la machine qui rôde dans le désert. Parfois, on peut l'apercevoir au loin. Une sorte de forme métallique. Elle reste immobile pendant des heures. Et quand on détourne les yeux, elle disparaît. Comme si elle n'avait jamais été là. Mais c'est quel genre de machine? Je sais pas. Personne ne l'a vue d'assez près pour le savoir. Il y a des ratisseurs qui sont allés là-bas une fois. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'était rien que des dunes de sable. Mais je me fiche de ce que c'est. Elle m'empêchera pas de retrouver ma petite sœur. Quand tu t'es disputée avec Boomer, c'était pourquoi? Eh bien, ça a commencé comme toutes nos bonnes vieilles disputes. Je l'ai trouvé en train de bricoler un de mes prototypes, pour y ajouter des explosifs, comme d'habitude. Et quand je lui ai rappelé que la dernière fois qu'elle avait fait ça, elle avait failli mettre le feu à l'atelier, elle s'est contentée de hausser les épaules. Ensuite, on est reparti sur toute cette histoire désastreuse qui nous a forcés à quitter Skorok pour venir jusqu'ici. Et surtout, ce qui la pousse à essayer constamment de tout faire sauter. Elle a dit quoi, Boomer? C'est bien le problème. Elle a rien dit du tout. Elle est restée là, à m'ignorer. Même quand je suis allée me coucher, elle a rien dit. Et puis, quand je me suis réveillée ce matin, elle était partie. Jusqu'à maintenant, elle avait jamais fait ça. Mais la connaissant, elle va sûrement s'attirer un tas de problèmes là-bas. C'est pour ça qu'il faut la trouver. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'Ouest? Ah, ça... Il y a eu une sorte d'incident à Skorok. Un incident explosif? Eh bien, tu sais comment est Boomer. On a pris nos outils et on a quitté la ville. J'ai entendu parler d'une caravane qui partait pour l'Ouest suite à la réouverture d'un passage, et on l'a rejointe. Pourquoi venir ici? Vous pouviez aller n'importe où? On pouvait pas retourner à la Requête. Et les autres régions sont un peu trop... de pli. Disons qu'ici, on a moins de risques de dommages collatéraux. Et puis, cet endroit sera sûrement à la mode un jour, non? Comme disait mon père, faut prendre de l'avance. Si tu crois pouvoir me corrompre, sache que je n'accepte que les éclats, et d'avance. Mais on a peut-être pris un peu trop d'avance. Si Boomer s'est perdu dans le désert, je devrais pouvoir la trouver. Je viens avec toi. Tout ça, c'est ma faute, après tout. Mais tu vas... Où tu l'as vue pour la dernière fois? Je suppose que si tu vas avec elle, ses chances de survivre augmentent. Je pense que je l'ai vu se diriger vers les arches métalliques à l'est. Alors on va commencer là. Allons-y. J'arrive pas à croire que Boomer ait fait ça. Il ne pouvait pas mieux tomber. Tu sais pourquoi elle serait allée vers les arches? Elle voulait probablement s'éloigner le plus possible de moi. Pendant la dispute, j'ai...
J'ai dit des choses. Des choses que j'aurais pas dû dire. Tout le monde fait des erreurs. Tu sais, la requête, elle arrêtait pas de s'attirer des problèmes. Elle disait que c'était mon devoir de la protéger. On la trouvera, Bella. Par la forge. Je l'espère. Ça doit pas marcher. Tu vois ces courbes métalliques qui sortent du sable ? C'est ça, les arches. Il y a du métal dans le sable. Ça vient peut-être des arches. On doit ça à Boomer ? Oui, mais pas de Boomer. Laisse-moi chercher des pistes. Là, des traces. Apparemment, elles mènent dans le désert. Qu'est-ce que t'avais dans la tête, Boomer ? Est-ce que t'as des frères et sœurs ? Non. Leonard, c'est juste que... parfois, ils me rendent complètement dingue. Et parfois, du temps, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Et tout ce que j'ai, j'espère qu'on va la retrouver. J'en suis sûre. La piste s'arrête ici. Mais on dirait que Boomer a posé des pièges autour des ruines. Boomer adore poser des explosifs un peu partout. Et où est-ce qu'elle est ? Si on se débarrasse de ces machines, on le saura peut-être. L'acide va pas lui faire grand-chose. Les pièges de Boomer ont été efficaces! Yeah!
Ça a marché. Allons jeter un œil aux ruines. Ça nous dira peut-être où elle est allée. Oh non. Je reconnais ce marteau. C'est le marteau préféré de Boomer. Ça l'énerve tellement quand elle n'arrive pas à mettre la main dessus. Elle l'aurait jamais laissé traîner. Elle a peut-être dû partir précipitamment quand les machines sont arrivées. Ou bien il s'est passé quelque chose. Eh, on n'en sait rien. Fouillons cette zone. Elle a peut-être laissé une autre piste. Tiens bon, Boomer. On arrive. Est-ce que tu peux trouver des traces ? Là. On dirait qu'elle s'est dirigée vers les collines. Allons-y. Il y a une sorte d'épave sur cette falaise. Comment Boomer a pu grimper là-haut ? Une échelle cassée. Elle a dû tomber quand Boomer a grimpé. Alors comment on va monter là-haut ? Comme ça. Mais c'est quoi cet endroit ? Aucune idée.
Mais ça a l'air abandonné. Un abri. Et un genre d'appareil. Il est à Boomer ? On dirait que certains composants ont été retirés. Elle a dû l'apporter ici pour le bricoler quand les machines ont envahi son camp près des ruines. Mais où est-ce qu'elle a pu aller ensuite ? L'épave là-bas semble prometteuse. S'il y a bien une chose que je sais sur Boomer, c'est qu'elle est incapable de résister à un joli tas de pièces. Bien. On descend la voir. Regarde, là. Au pied de l'épave. Des outils. Apparemment, elle travaillait sur quelque chose, ici. Mais où est-ce que... Boomer ? Il faut que je finisse. Boomer ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Trop tard. Boomer, qu'est-ce que t'as fait ? C'est important. Les voilà ! Boomer, c'est exactement pour ça que je te dis qu'on t'attire. C'est bon. Boomer. Disque boom. C'est bon. Boomer ! Hey, Boomer ? Oui ? Ta sœur s'est beaucoup inquiétée pour toi. Écoute, je sais que t'es encore en colère. Mais tu peux pas t'enfuir dans le désert comme ça. Je me suis pas enfuie. Et je suis pas en colère. Tu l'es pas ? Non. Pourquoi je serais en colère ? À cause de notre dispute. Tu t'es enfuie juste après. Je me suis pas enfuie. Tu m'as abandonnée ? Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es ma sœur. J'ai eu une idée. Alors je suis partie chercher des pièces. Tu vois ? Une arme. C'est que le support de charge utile. Le vrai secret, c'est les disques boom. Tu les lances sur les machines, et là ça les découpe. Et ensuite, ils reviennent jusqu'à ce que tu les aies assez lancés. Et après, ça fait boum ! Enfin, c'est ce que c'est censé faire. Pour l'instant, j'arrive pas à les faire revenir.
Ah, allez, montre-moi. Ah, c'est pour ça. Cette pièce ne va pas. Il faut juste mettre un bout de câble ici et... Et voilà. Tiens, Rockin, essaie-le. Non, attends. Sur la grosse machine, par là. Et la voilà repartie. Alors t'es pas partie à cause de notre dispute? Non. Je me demande combien de temps vont durer. Bah, et la grosse machine alors? Bon bah, on va l'attendre. Mais, la grosse machine... Elle est de retour, Boomer. Allons trouver cette machine. C'est toujours bien d'en avoir en stock. Bah, et la grosse machine alors? Bon bah, on va l'attendre. Mais, la grosse machine... Elle est de retour, machine. Boomer. Allons trouver cette machine. Comment est-ce que t'as trouvé ces vieilles ruines? Je les ai vus quand on a quitté Camp Paumé. Et tu t'es souvenu du chemin pour y aller? Oui. Alors, c'est quoi cette machine qu'on doit trouver? Tu verras bien. C'est juste en bas. Bah, et la grosse machine alors? Bon bah, on va l'attendre. Mais, la grosse machine! Y'a rien ici. Regarde bien. Terreur réussie. Fais-la sauter. Ouh. Thank you.
n'a pas suffi. Incroyable. Des étincelles, des bouts de métal et boum. Ça va? Depuis qu'on a quitté la requête, je pensais que si j'arrivais à la convaincre d'oublier un peu ces explosions, tout irait mieux pour nous. Après cette dispute, tu as cru l'avoir perdue parce que tu avais été trop dur. On dirait que j'avais tort aussi à propos de ça. On voit pas du tout le monde de la même façon. Quand je vois un problème, elle voit une occasion de le faire sauter. Mais je suppose que c'est pas grave. Je l'aurais jamais retrouvée sans toi, Rookin. Elle a de la chance de t'avoir. Et pour l'arme? Garde-la. Je te remercie. T'es prête à rentrer? Je crois que je viens d'avoir une nouvelle idée de prototype sur laquelle on pourrait travailler. Avec des explosions? Évidemment. Ouais! Salut!
Que ta lame brille de mille feux. Puisses-tu trouver la vérité au combat ? Ne recommence pas. Marépine. Sacrée vue, hein ? Je ne pensais pas m'aventurer si loin en territoire Ténac. Tu n'as pas eu à combattre ? Je me suis fait discrète. J'ai dû plonger dans le marais une ou deux fois pour éviter les patrouilles. Bon. Et maintenant, dis-moi un peu. Qui est Amadis ? Alors ? Comme je te l'ai déjà dit, il m'a aidé à repousser un chasseur-tueur dans les terres sauvages. Au début, il croyait que j'étais une de ces chasseuses du pavillon qui ne pense qu'à mettre la main sur un gros trophée. Et je pensais que ce n'était qu'un ermite grincheux vivant dans les bois. Mais il m'a dit la vérité. Il m'a parlé de la façon dont les raids rouges lui ont tout pris. Voir cette facette de lui, je sais pas, ça m'a touchée. Tu l'aimes ? Pas vrai ? C'est bien possible, oui. Alors pourquoi vous vous êtes quittés ? Quand il s'est confié sur la femme qu'il n'avait pas réussi à sauver, je lui ai dit comment j'avais fait le deuil de mon père et de mon frère. Il a compris qu'il devait faire de même, mais tout seul. Attends. Quand on a fouillé le champ de bataille des Raids Rouges, tu as dit qu'il avait perdu quelqu'un de proche. Je pensais que tu parlais d'un soldat. C'est le cas. Les femmes n'ont pas le droit de s'engager dans l'armée Karja, mais Nessa s'est déguisée pour resquiller. Amadis n'a rien dit. Quand il est parti pour l'Ouest, il a promis qu'il m'écrirait pour me rassurer, mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu es parti le trouver. Quand ce sera fait, je lui passerai un sacré savon pour nous avoir mises dans ce pétrin. Bon, au moins, je comprends un peu mieux ce qui se passe. Amadis était certain que Nessa était morte. Mais quand il a su que les Ténac avaient des prisonniers, il a continué. Il ne reste plus qu'à trouver cette prison, Kari. J'ai exploré un peu en attendant. Je crois avoir trouvé le chemin. Je te suis alors. Tu crois que Nessa pourrait être encore en vie ? J'en doute. Tous les Karja faits prisonniers lors des raids rouges sont soit morts, soit de retour chez eux. Alors que cherche Amadis ? Il a juste besoin de savoir. Par ici, gros tas de pirates plombés. C'est lui ! Cette grippe de feu ne peut pas lâcher. Il n'y arrivera pas tout seul. Viens vite ! Voilà ! Ça l'a l'air. On vient t'aider ! Thank you.
j'ai pris. Talana... Tu étais censé me donner de tes nouvelles. Oui, mais j'allais envoyer un message juste après ma traversée du désert avec une caravane au Céram. Mais quand je me suis rendu compte que le tunnel s'était effondré derrière nous, je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que de continuer à avancer. Mais t'as réussi à me trouver, ce qui fait qu'en fin de compte, j'avais tort. Pardonne-moi. Je n'avais vraiment pas l'intention de t'inquiéter. Donc, tu dois être Amadis. Et tu es sûrement Aloy. Talana m'a énormément parlé de toi. Et elle a dû te parler de moi aussi ? Un petit peu. On sait que tu te diriges vers Kari. Mais qu'est-ce que tu espères trouver là-bas ? Une piste. Un semblant d'indice. Sur ce qui a pu arriver à Nessa. Elle est peut-être tombée au combat. Ou bien elle a agonisé dans cette prison. En tout cas, il faut que je sache. Talana m'a parlé de toi et Nessa, pendant les raids rouges. Elle dit que tu l'as couverte. On était tous les deux dans la division de la Lance du Sud, avec pour ordre de pénétrer par le tunnel en territoire Ténac. Elle était fière de servir les Lyum, au début. Mais une atrocité après l'autre, nous avons compris ce que les raids étaient réellement. Et est-ce que vous étiez proches ? On faisait tout notre possible pour protéger les innocents. On avait l'impression d'être les seuls à s'opposer à ce massacre. Et... oui, on était proches, jusqu'à la bataille des Fleurs Ardentes. Qu'est-il arrivé à la bataille des Fleurs Ardentes ? J'ai appris que l'armée Ténac était bien plus massive que ce qui était prévu. J'ai essayé de convaincre mon commandant d'annuler l'assaut. Mais ce n'était qu'un ivrogne. Et quand j'ai menacé de signaler son attitude au commandement Karja, il a sorti un couteau. Alors... j'ai dû le tuer. Pour te défendre. C'est quand même un meurtre. J'étais condamné. Mais je pensais qu'au moins, je pouvais toujours sauver Nessa. Il était trop tard. Le temps d'arriver au champ de bataille, les champs étaient déjà en feu. Nos soldats étaient morts ou disparus. Et en plus, le commandant que j'avais tué appartenait à une maison noble. Ils ont mis une prime sur ma tête. Je n'arrête pas de fuir depuis. Les raids rouges sont du passé. Le roi Soleil Avad te pardonnerait s'il savait. Le roi Soleil ne peut pas m'aider. Un pardon d'Avad n'empêchera pas les chasseurs de primes de le traquer. Et donc, toi et Talana, vous avez vécu de sacrées aventures dans les terres sauvages. Des galogriffes, un chasseur-tueur, des mercenaires, une carapeste. Rien ne pouvait l'arrêter. Même pas un ermite hirsute vivant dans les bois. Quelle folie lui a pris, je me le demande. Bon, on est trois. Tentons de rejoindre Kari. Je ne peux pas te demander de venir. Je t'ai déjà fait faire un long voyage. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour te laisser partir. On affrontera ça ensemble. Je sais bien que je n'arriverai pas à te faire changer d'avis. Alors viens. Kari n'est pas loin. Kari se trouve sur le rivage, mais on va devoir passer par les bois pour éviter d'être vu. Les voisins en discutaient.
J'en ai déduit l'emplacement. Et qu'est-ce que tu aurais fait si on ne t'avait pas trouvé? Tu y serais allé seul? Il suffit que j'interroge un garde. Alors, je me suis dit que j'attraperais une personne isolée. Mais... maintenant, on est là. On se rapproche. Encore un peu plus loin. Nous y voilà. Carrie. Les rebelles de Regala. Ils sont en pleine guerre civile avec le reste des Ténac. Ils ont dû s'emparer de la prison. Ils ont sûrement abattu tous les gardes, alors qu'ils étaient mon dernier espoir de retrouver Nessa. Peut-être pas. Il est possible qu'il reste des indices. Même après toutes ces années ? Aloy voit des choses qui nous sont cachées. Allons-y. Un semblant d'espoir est toujours mieux que rien. On va devoir trouver une autre entrée. Celles de devant sont impénétrables. Et on ne pourra jamais escalader. Ne bougez pas. Je vais voir si je peux trouver un autre accès pour vous ouvrir. J'aimerais contourner la prison.